Et bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Galois Mod, principalement Gmod. Alors je découvre le jeu en même temps que vous, j'ai regardé pas mal de vidéos, bah je découvre le jeu, j'ai déjà passé quand même une heure et demie à découvrir quand même, mais je connais presque, bah je connais rien quoi, comparé à tout ce qu'il y a. Alors, Galois Mod, franchement, c'est une beauté. On peut tout faire sur ce jeu. Regardez, par exemple. Attendez. Je vais mettre un PNJ qui est mort. Attendez, donc. Voilà, on va mettre. Allez. Lui. Regardez. Il est mort. Et je peux tout faire avec. Oups, désolé. Reviens là, toi. Alors, on va essayer de le mettre debout. Non, mais merde. Tu essaies de me regarder. J'ai découvert un bijou. Attendez, je sais plus. Non. Ce que je vous dis, je connais absolument rien, mais je sais qu'il y a un objet qui peut être pas mal. Merde, merde, merde. Ah, voilà, je l'ai, je l'ai. Ah, non, c'est pas celui que je vais. Oups. Je suis bloqué! Qu'est-ce qu'il me fait là? Il me fait une jolie danse, hein? Attendez. Faut que je retrouve cet objet. Donc lui, nous avons différentes armes. Pourquoi tu veux... Attends, d'abord essayer sur un autre PNJ. Voilà, on va le remettre debout. Bon, je précise, si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, vous aurez un petit bonus de baston à la fin. Merde. Toi, tu me saoules. Je veux que tu sois debout, mec. Pas l'air de dormir. Mais... Ah, voilà. Regardez-moi ça. Je peux faire un mini-corps avec une putain de tête. Ou là, l'inverse, regardez. Il a mangé une soucoupe volante. Alors le pire, c'est lui. Je sais pas pourquoi il veut pas le faire. Tapis. D'avoir prendre, on va essayer de prendre une tête qui fait peur. Juste toi, tu vas me saouler pendant la partie. Ok, bon, tant pis, on va prendre celui-là. En vrai, on va pas faire que de... Que ça? Alors, donc on commence avec différents... poignées d'armes, hein, de... arbalète, un fusil à pompe... SMG... Plus plus quoi? Plus rifle... Des magnums, tout ça. On peut voler.
attendez. Donc là, c'est juste une petite map, hein, sinon il y a beaucoup, beaucoup de maps. Donc oui, en mode vol, on peut traverser les murs, on peut aller dans les immeubles. Ensuite, regardez, je vais mettre un PNJ. On peut mettre des véhicules, hein. Je n'ai pas encore téléchargé, mais je peux mettre un Flife, un Jeep. Là, je peux mettre des pigeons. Ouais. Là, je peux mettre des ennemis. Là, je peux mettre le gars de CJ dans GTA San Andreas. Donc là, nous avons principalement les persos de Half-Life. TF2, Ghost, je sais pas. On le voit pas. Les Covenants dans Halo. Tenez, on va mettre. Il est pas mal. Attends, là, voilà. J'ai pas dû tirer. On arrête ça tout de suite. Les Marines, mais je sais pas pourquoi ils ont pas d'armes. Et les zombies. Alors, si on va hors de... Alors, on peut... Oh, qu'est-ce que ça fait? C'est déjà tout noir. On va faire quelque chose. On va le plus possible, on va le lâcher. Oui, on va l'entendre. D'où les mecs. Mais tu dois mourir pour... Oh là, attends, attends. Oula, je pense que là il est mort. Par contre, attendez. Donc oui, dans le, il y a plein que si, non, attendez. Genre là, les personnages du Counter-Strike qui ne s'affichent pas. C'est pas grave. Donc là, nous retrouvons les objets. Y a rien qui s'affiche, c'est bizarre. Bon, peut-être ça marche pas. Donc là, on peut se créer un petit bâtiment. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour créer une voiture, patati patata. Alors, dans Half-Life, nous avons des items. Les véhicules. Oh, mais ils sont cassés. Oh oui. Caractère, mais... Après nous avons la catégorie armes qu'on peut avoir, qu'on peut télécharger aussi. Qu'est-ce que c'est que ça, ça je sais pas du tout. Les PNJ comme je vous ai fait montrer, les véhicules, attendez, voilà, on va mettre deux chasseurs. Voilà, excusez-moi pour cette courte interruption. On continue. Alors, oui, je peux mettre ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à monter. Merde. Alors, si quelqu'un pourrait me... me trouver une solution pour monter là-dedans. Ce serait super sympa, excusez-moi, j'ai appuyé sur la touche qui a arrêté d'enregistrer cette vidéo. Alors maintenant, parlons un peu des add-ons. Donc c'est plein de modes que vous pouvez télécharger, donc une carte. Donc ça c'est moi qui ai téléchargé ça. Alors les armes. Attendez, on va aller dans les armes les plus populaires. Parce que là j'ai qu'une petite poignée d'armes. Si ça veut bien se lancer. Populaire.
Star Wars. Écoutez, voilà, ça y est. Alors là, ça c'est déjà ici, ça fait 9 MO. 9.02. Pour être plus précis. Voilà, ça se termine. Ça s'installe. Donc faut attendre un petit peu. Voilà, donc là ça s'est installé. Et quand si je vais dans les armes. Armes. Armes, j'ai dit. Ok, donc en fait il faut redémarrer la partie je pense. On se retrouve tout de suite. Et nous revoici. Alors maintenant on va voir tout si ça marche. Alors arme, voilà. Donc il fallait juste... Wouah! On peut tout faire, je vous l'avais dit, on peut tout faire. Attends, on va juste mettre un Penji. Juste pour le battre. On va mettre un... Ça déchire. On va mettre quelqu'un qui m'attaque. Attendez. Aïe aïe aïe. Je one shot les mobs. On va remettre à note. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai gagné. Oh, mais genre, j'espère que pour ce premier épisode, ça vous aura plu. Si ça t'a plu, aime la vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et on se retrouve tout de suite pour le bonus.